des courgettes, mais malheureusement, il n'y a que des fleurs femelles. J'ai pas de fleurs mâles. Et donc, impossibilité de polliniser. Voilà notre plan, et on a les courgettes qui ne se développent pas parce que je n'ai pas de fleurs mâles. Alors, je vois qu'il y a quelques boutons. J'espère que bientôt, elles vont s'ouvrir. Sur ce plan, le troisième plan, puisque j'ai trois plans, c'est la même chose. De ce côté, j'ai une fleur femelle. Et de ce côté, j'ai encore une fleur femelle. Il va falloir, comme pour les tomates, que je trouve une solution pour polliniser artificiellement. J'avais ces plants de courgettes il y a 4 jours sans fleurs mâles. Et voilà ce que ça a donné. Des petites courgettes qui n'ont pas abouti. Donc, depuis hier, j'ai pu récupérer des fleurs mâles et de ce fait, polliniser quelques fleurs femelles. On va voir un petit peu comment j'ai procédé. Voilà une fleur femelle. On voit qu'elle a été un petit peu envahie par les fourmis à l'intérieur. Si je la regarde de côté, on voit bien qu'il y a la petite courgette. Voilà, et on a à côté la fleur mâle. Voilà la fleur femelle. Voilà, écarte un peu la fleur, on va voir le centre. Non, écarte, écarte, j'ai pas dit casse. Ah. Voilà. Voilà, là on a cassé toute la fleur, maintenant il faut enlever ce qui reste. Tu vois, il en est tombé déjà pas mal. Hein. Voilà, allez, maintenant on va aller polliniser la courgette. Allez, vas-y. Voilà, allez, vas-y, frotte. En faisant tourner ta truc pour que tu frottes de tous les côtés. Sans aller fort, t'as cassé tout à l'heure, va doucement. Voilà, Louise apprend à polliniser manuellement les courgettes. Voilà, donc on vient de polliniser cette fleur, de la polliniser plutôt. Et on voit au-dessous les courgettes que j'ai pollinisées il y a 2 jours, alors qu'il y a une semaine, lorsqu'on a fait la première vidéo, je n'avais aucune fleur mâle, et toutes les petites courgettes, j'ai dû les jeter. Alors on ne les a pas jetées, on en a fait une petite omelette. Voilà, ça c'est une courgette que j'ai pollinisée il y a 2 jours, et ça a bien marché.